Hello les amis, un petit retour de course. Allez, t'es parti. Eh oui. Donc je suis allée sur Auchan. Ah ouais, je me calme un peu plus. Voilà, je suis allée sur Auchan et il me fallait quelques trucs. Hein, voilà. J'en ai eu pour 35,73 €. Normalement, j'aurais dû avoir moins, mais j'attaque une petite cure, donc ça m'a fait monter le prix. Je vais vous montrer tout ça. J'ai eu pour 1,26 € sur ma carte cette fois-ci. C'est plutôt sympa. Ouais, je suis contente. Donc, écoutez, je vous mets les prix à l'écran, comme d'hab. Hein. Voilà. J'ai pris du raisin. Du raisin, vous savez que moi, le raisin, dès qu'il y en a, en plus, c'est la saison du raisin. Voilà, je sais plus. Le gros raisin italien là, voilà, je me regarde. Mais ceci, on s'en fout. Ah non, mais je filme, hein, je fais rien d'autre. Donc, mon petit raisin, dès que j'en ai plus ou dès que je vois qu'il commence à plus avoir grand-chose, j'y retourne et je m'achète du raisin. Ensuite, je me suis pris un jus d'orange, le multifruit sans pulpe, parce que je compte le mélanger et me faire des petits cocktails. Donc, voilà. Cri-cri, si tu passes par là, tu auras compris pourquoi. Et puis, même pour me boire mon petit jus d'orange, même s'il est plus conseillé de se faire son jus d'orange frais que de le boire comme ça. Alors, si vous voulez un jus d'orange, essayez de prendre quand même un jus d'orange qui est dans quelque chose qui n'est pas transparent. Avec la lumière, hein, c'est pas super bon pour conserver toutes les vitamines, même si je pense que là-dedans il ne devrait y avoir grand-chose. Ensuite, bon, j'avais envie de m'acheter des blés du chef. Vous avez l'habitude? Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai pris cette fois? J'ai pris mitonnée de carottes, petits macaronis et bœuf. J'ai pris fondue de légumes et lieux. Et tagine de poulet, citron et touche de coriandre. Je vais partir là, voyager. Il me reste deux steaks hachés, un morceau de poisson et un petit bout de saucisse. J'ai des petits pois, des pois gourmands, tout ça et tout au congélateur. Donc je me ferai mes petits plats. J'ai mes pâtes, j'ai ma sauce tomate. En plus, j'ai une paire de tomates bio que m'avait donné mon ex-mari. Et je vais me faire une sauce tomate avec. Pour éventuellement une petite pizza, je me ferai ma pâte. Hein. Bah ouais, je vais me faire ma petite pizza maison. Ensuite, j'ai pris des cheveux d'ange, j'en ai plus du tout. Je les ai finis il y a quelques soirs là. Et donc, ben, comme je reprends un petit peu mes soupes le soir, je trouve que ça me fait boire. En plus, ça me fait du bien. C'est pas lourd à digérer, c'est pratique. J'aime beaucoup manger des petites soupes le soir. Ben, tant qu'à faire, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour manger avec. Si c'est là, non, c'est pas là. Eh ben, je vous montrerai après. Faut pas se prendre la tête quand on fait des vidéos. J'ai pris un petit repas complet avec des vitamines pour mon petit Moki. Je les avais essayées, celles-là. Eh ben, ils les aiment bien. Alors, elles me dépannent pour entre deux visites à Jardiland ou dans son animalerie. Pour prendre le vraiment bon paquet, mais qui coûte deux fois plus cher aussi. Hein. Mais il les mange bien. Il les mange bien. Il aime bien quelques petites herbes surtout. Et puis il y a des petits pois, le maïs, tout ça. Il aime bien. Donc, voilà. Hier, je lui ai fait goûter un petit peu de. L'autre fois, j'ai fait goûter un petit peu de poire et un petit peu de citrouille. De courge, eh ben, il aime bien, mais je regarde sur un site d'abord avant de le donner à manger. Je ne lui donne pas n'importe quoi. Ensuite, je me suis pris, alors ça c'est pour, je vais l'ouvrir quand j'aurai fini la vidéo, ça je vais le boire. C'est les Nature Ness bio de chez Nestlé, pomme, mangue. J'aime beaucoup ces petites boissons au jus de fruits. Elles sont pas sucrées, elles sont bonnes, j'aime beaucoup. Telle là, elle va péter tout à l'heure. Ouais. Ensuite, j'ai mon petit bocal où je mets mon escapé. Qu'est-ce que c'est? Ah! J'ai un moustique qui est rentré. Lui, il va finir décalqué sur le carrelage encore.
Mon petit Nescafé, mon petit. Voilà, ben, vous voyez, ma contrariée, le moustique. Le café décaféiné. Parce que quand j'ai envie de me prendre un petit café l'après-midi ou le soir, non, je préfère prendre une cuillère à café de ça dans un peu d'eau plutôt qu'un café. Parce que déjà, le café, bon, il ne faut pas abuser parce que c'est pas si bon que ça. Mais bon, vous me direz, celui-là, je me demande ce qu'il reste dedans. Mais enfin, bon. Au moins, ça m'énerve pas et ça m'empêche pas de dormir. Je me suis pris le pain multicéréales qui est encore en offre spéciale parce que je l'ai trouvé très bon. Du coup, je m'en suis repris un. J'ai quasiment fini l'autre. Alors, ce que je fais, c'est que quand je l'ouvre, après, je le mets au frais. Eh bien, il durcit pas. Il a pas cette. Et je le laisse dans son plastique et je le mets carrément au réfrigérateur. Eh bien, il dure plus longtemps. Donc, écoutez, je ferai pareil avec celui-là. Ensuite, ah ben voilà, c'est là. Je me suis pris les petits bouillons goût légumes déshydratés. Il n'y avait plus les petits bio que je voulais. Ils n'y étaient plus. Mais bon, il y avait des petits rayons qui étaient vides, je pense qu'ils doivent achalander là. Je me suis pris donc cela, ben, ma foi, parce qu'après, autre, c'était poulet, volaille et tout ça, bof. Je n'avais pas envie, moi, de trucs, je voulais des légumes. J'ai eu celui-là, ben, j'ai pris celui-là parce que ben, il restait celui-là. Ensuite, je me suis pris. Alors, je n'ai plus de lait. Il me reste à peu près même pas un demi-litre de lait. Donc, j'ai pris du lait d'amande cette fois-ci. Il y en avait parce qu'autrement, il y avait celui qui était beaucoup plus cher, le Björg machin. J'avais pas envie de mettre ce prix-là. J'ai attendu qu'il ait du réassort. Et donc, ben, je me suis trouvé mon amande légère. Je l'aime bien, celle-là. Elle est dans mes prix, donc ça va. Après, je me suis pris au rayon frais des filets de Colin d'Alaska façon meunière. Vous avez l'habitude de les voir, ceux-là. Je les aime bien. Franchement, je les aime bien. Je vais vite aller les mettre au frais. Je me suis pris un avocat pour ce soir. Ouais. Je ne sais pas ce que je vais manger avec ça. Je pense que je vais me manger. La tranche de rôti de dinde qui me reste, et je me ferai peut-être une petite salade d'endives, puisque j'ai des endives. Je mélangerai avec de l'avocat, ça suffira. Après, le concombre pour monsieur. Toujours aussi cher, le concombre. Ben, c'est normal, c'est plus trop la saison, hein. Mais bon, ça fait rien quand même. Je trouve que prendre 30 centimes d'un coup, ça fait quand même mal aux fesses, hein. Oui, parce que le concombre, il n'a pas grossi. Et là, je me suis fait mon petit plaisir. Oui, pour moi, avec mon petit café. Je me suis pris le chocolat noir absolu. Mais alors, quand j'en vois de celui-là, à 90% minimum. J'ai eu mangé du 99%. Je l'ai regardé chez Lindt, il n'y était pas. Alors, j'ai pris le 90. Mais d'habitude, je prends le 99. Je me régale. Ah, vous en prenez un bout, ah, vous le sentez. Mais c'est du bon chocolat noir. Ouais. Le chocolat noir. Ah, pour moi, c'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur. Et ce qui a fait augmenter la note, c'est ma petite cure de spiruline et de vitamine C pour la vitalité, énergie et défense naturelle. Parce que ça fait un mois que j'arrive pas à me. J'ai l'impression que je suis en perte d'énergie, en perte de vitesse. C'est bon. Après, il y a les changements de saison, hein, on est d'accord. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose que je dois avoir. Il faut que je me fasse faire un soin énergétique parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont pas bien. Non, je suis fatiguée. Donc, voilà, ma petite spiruline. Alors là, il y en a 30 comprimés. Comprimés ou gélules? C'est des gélules. Gélules végétales. Et on n'en prend qu'une par jour. C'est formule enrichie en fer et en vitamine B9. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Écoutez, j'aime bien Vitavea. Moi, je trouve que ça va. Je préfère Vitavea à Juvamine. Mais bon, parce que moi, je trouve que ça me fait plus d'effet Vitavea que Juvamine. C'est peut-être psychosomatique, je ne sais rien. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Écoutez.
écoutez, voilà, moi je vous ai fini ce petit retour de course. C'était pas énorme, mais j'avais envie de vous le partager. Parce qu'au moins, je suis un petit peu avec vous. J'aime bien lire vos commentaires et vous répondre. Moi, je vous embrasse bien fort. Dites-moi si vous connaissez des produits, si vous aimez aussi ce chocolat noir comme ça. Moi, je me régale. Quel est votre chocolat préféré? Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao.